Bonjour, la team Firmin Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Amen. L'actualité d'aujourd'hui. Ma femme est toxique. C'est une histoire dans un couple. Le monsieur qui a voulu partager cette histoire avec nous, il n'en peut plus avec sa femme. Quand ils se sont connus, sa femme, elle était une femme normale, sans problème. Après, elle a montré qu'elle était toxique. Elle ne voulait plus que son mari puisse fréquenter sa propre famille, ses amis, ses connaissances. Elle veut son mari pour elle toute seule. Et c'est elle qui décide, qui prend les décisions. Tout ce qu'il doit faire, c'est à elle de dire ou c'est ça ou c'est pas ça. Le mari n'a pas un mot à dire. C'est pour cela, le mari n'en peut plus. Il a craqué. Il ne veut plus continuer cette relation avec sa propre femme, son entourage, sa famille. Tout le monde ne veut plus de cette femme. Par contre, la femme ne voit pas ça. Elle voit que c'est elle qui domine, c'est elle qui est possessive, c'est elle qui est envahissante et elle est contente de ce qu'elle est. Elle ne veut pas changer sa façon de faire. Elle ne veut pas changer la vie qu'elle a. Cela fait 5 ans que ça dure. C'est pour cela que le mari a décidé de partir. Le mari ne veut pas mettre au monde avec sa femme parce qu'elle a peur que les enfants puissent vivre le calvaire que lui vit avec sa femme. Une femme toxique va rechercher l'exclusivité chez son partenaire. Elle peut lui reprocher ses autres relations et tout mettre en œuvre pour le couper de son entourage habituel, sa famille ou amis et ses connaissances. La réduction de l'estime de soi est l'un des symptômes causée par une relation toxique. Une relation toxique s'installe quand l'un des deux conjoints va prendre le pouvoir sur l'autre. Il va avoir tendance à imposer sa vision des choses, ses choix, sans prendre en compte les envies de l'autre, qui va devoir se plier à ses exigences. Donc, c'est pour cela que le monsieur est fatigué de tout ce que sa femme est en train de lui faire subir. Il a décidé de demander le divorce et ils sont en instance de divorce. Mais la femme, elle ne voit pas tout ça. La femme, elle dit « Je t'aime, tu es mon homme. C'est toi que j'ai choisi, mon âme sœur. Nous allons mourir ensemble. Le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est que la mort qui peut nous séparer. » On ne sait pas si la femme toxique est aussi dans son déni. Allez-y comprendre. Eh bien, moi, le conseil que je peux dire, c'est que la décision de l'homme, je trouve que c'est bien pour qu'il ne puisse pas arriver à un problème grave entre les deux. Quand je vous parle de problème grave, allez-y comprendre. Je ne vais pas employer le mot. Si vous avez des commentaires à donner, vous pouvez commenter. Et si vous voulez m'appeler, il y a aussi mon numéro. Vous pouvez aussi m'appeler. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci pour tous les abonnés de la team Firmin Love. Je vous lève très très fort. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez,
appuyez sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. S'il vous plaît, je compte sur vous. Bisous, bye!